Et salut à toutes et à tous, c'est Madro. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Moi, ça va super. Aujourd'hui, on est dans un centre d'attraction. La Ronde, c'est quelque part, voilà. C'est quelque part, on peut se le dire. Fait qu'aujourd'hui, on passe toute la journée. Puis, c'est où est-ce qu'on y a un des manèges. Et puis, ouais, je sais, j'ai oublié mes mots, fait que ferme ta gueule. Ouais. Alors, on est au parc d'attraction. En premier, on va faire le Goliath. Let's go! Fait qu'on va faire en premier le Goliath, un des manèges les plus gros et les plus malades du parc. Autrement dit, c'est juste un... il s'en va en haut, il s'en va en bas. Il s'en va en haut, il s'en va en bas. Let's go! Ouais, merde, il y a beaucoup de... Alors, on est à la Ronde, justement. Et puis, comme vous voyez derrière moi, c'est le nouveau manège de la Ronde. Présentement, il est arrêté pour faire embarquer du monde. Mais... je vais vous montrer voilà, en action. C'est quand même assez épeurant, on peut dire. Alors, ça fait 45 minutes qu'on attend pour le Goliath. Le Goliath, en fait, c'est... J'ai essayé de vous trouver une partie du Goliath, comment est-ce que ça descend rapidement. On est presque là, voilà, c'est juste là, on a deux wagons qui nous restent avant d'embarquer. Et puis j'ai vraiment hâte. Alright, let's go! Alors là, on s'entend qu'à 58 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est pas mal épeurant. Puis quand on sait qu'on est à 85 à 90 degrés en angle, voilà, comme ça, on s'entend que... En plus, à 110 km à l'heure! Non mais on s'entend quand même, là. C'est comme un des manèges les plus malades. Et puis comme vous voyez, là, on est en train de revenir par en bas. On est littéralement en train de voler sur nos sièges. Mais comme littéralement, tu touches plus à ton siège. C'est juste le truc jaune qui te retient. Alors là, on s'entend que c'est quelque chose être sur le Goliath. Alors voici un autre des manèges qu'on a fait, ça s'appelle le Vampire. On est pieds dans les airs, voilà, comme vous pouvez voir. Alors on s'entend que là, la drop, elle fait quand même assez peur. Pourquoi pas une petite loupe, hein, voilà. Une belle petite loupe, avec un 360, voilà. On s'entend que le G-Force là-dessus, une autre petite loupe. On s'entend que le G-Force là-dessus, c'est quand même assez quelque chose. Voilà, on retourne, voilà, quand même assez rapidement. Un autre 360, allez, pourquoi pas un autre. Petit beau, et oui, 360 ici, et puis là on tourne quand même assez rapidement, voilà, c'est quelque chose d'être dans le vampire parce que on pense qu'on va perdre nos chaussures, mais c'est quelque chose. On a finalement fini de manger, voilà, j'ai mangé deux hot dogs. Et puis, ouais, ça fait vraiment du bien. Comme vous avez pu voir juste avant, ça s'appelle le Vertigo. Moi, je le fais pas parce que je déteste les sortes de manèges comme ça. Il me donne mal au cœur, malheureusement. Mais c'est ça, ouais. Alors, voici le monstre. Le monstre, c'est un des manèges les plus gros au monde en bois. Comme vous pouvez voir, c'est assez gros. Puis, il y a une autre partie de l'autre bord. Mais comme vous pouvez voir dans le monstre, ça shake en tigidou laila, comme on dit. C'est vraiment quelque chose d'être dans le monstre. La tête, elle cogne, là. Vous voyez comme ça bouge, ça c'est l'enfer. Mais c'est tout le temps une raid classique à la Ronde parce que, ben, nécessairement, c'est un des plus gros au monde. Et il est fait en bois. En bois, oui. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose. Voici la Ronde. À côté, voilà. Puis je vous laisse regarder. Et puis c'est ça. Ouf, ça shake. Et voilà, c'est fini. Alright, bon ben c'est déjà la fin du vlog. J'espère que t'as aimé le vlog. Moi j'ai vraiment aimé aller à la Ronde. C'était
vraiment nice, ça faisait longtemps que je t'ai pas allé. Alors j'espère que t'as aimé le vlog, laisse un like, ça ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur. Abonne-toi. C'était ma gros. Salut!